reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Un pasteur est tombé à l'église pendant qu'il prêchait. Ha! Certaines personnes pensent qu'il est mort. Sérieux? En tout cas, moi, je ne sais pas. Hein. Mais ce que j'ai vu et que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, hein. Vraiment, ça montre combien de fois l'homme est si peu de choses. L'homme n'est rien. Que Dieu nous protège, frères et sœurs. Allons voir ça. Venez, venez, venez. Nous allons ensemble voir cela au studio. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Regardez très bien. Tout se passe ici, sur cet écran. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors que le pasteur était de prêcher, il est tombé. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Regardez très 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 bien. C'était là que ça avait commencé. Il était tranquillement en train de prêcher quand tout à coup ceci est arrivé. Vous voyez là? Il était en train de tomber brusquement. Maintenant, quelle a été la réaction des gens qui étaient là? C'est ce que je vais vous montrer. Vous allez le voir. Vous voyez ça? Vous voyez? Ha ha ha! Il y a quelque chose qui se passe ici. Regardez bien. Pour ma courage. Oh. Mon âme. Ça, c'est la question. J'ai dit le mot. Parole de Dieu, c'est bon? Oui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous avez vu ça? Le monsieur est tombé comme une feuille. Même le micro très cher, il ne pouvait plus tenir le micro. Seigneur mon Dieu. Et vous avez vu comment les gens de l'église ont commencé à crier? D'autres même ont commencé à prier, invoquant Jésus, viens au secours. Jésus, viens nous aider. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, regardez très, 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 très bien cela encore. Mon âme. Ah, Seigneur, quand j'ai vu ça, hein, je me suis dit, qui? C'est vrai, hein? Imaginez-moi, je fais une vidéo comme ça, et puis, je tombe. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais, qui? C'est quoi? En tout cas, mes frères et sœurs, moi, j'aimerais vous dire un truc, hein. Vraiment, c'est triste, mais c'est la vérité. Quand quelqu'un meurt, vraiment, c'est assez compliqué. C'est même très, très, très compliqué. Le processus pour que quelqu'un meure
C'est un processus vraiment difficile. Mais quand quelqu'un meurt comme ça, genre subitement, genre quelqu'un marche ou même quelqu'un court derrière vous, et puis la personne tombe là. En fait, quand la personne est en train de tomber là, c'est comme si le corps là devenait une feuille. C'est comme une feuille bien, du papier. Attends, je cherche du papier, tu vois. Ouvrez ça là, non. Ouvrez ça là. Ouvrez non. Ouvrez non. Ouvrez non. Ça. Ça là. Ça c'est pour cacher la touche de l'ordinateur, pour protéger la touche contre la poussière. Mais ça, je vais prendre ça aux gens comme une feuille. Regardez, c'est comme ça l'homme est. L'homme sans vie. Comme une feuille qui tombe. Regardez encore. Regardez. Regardez. Non, ça c'est encore rien. Regardez. Regardez la distance. Il tombe du haut. Ah ah, veulent pas. Hey! Hey! C'est très facile! L'homme sans le côté immatériel, c'est-à-dire le sans l'âme, sans l'esprit, c'est comme une feuille. C'est-à-dire que le corps que nous avons, hein, que nous montrons à tout le monde, chacun célèbre pour dire que oh, ma femme elle est claire, oh, elle est en forme, hein. Ou bien l'homme dit oh, je suis bien bâti, je suis en forme, oh, monsieur, j'ai soulevé des poids, je suis en forme. Tout ça là, tout ce travail que vous faites sur votre corps là, ce n'est rien quoi. Au nom de Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien. Les femmes qui vont se dépigmenter, ou bien qui vont se faire changer les seins, ou bien les fesses là. Ce n'est rien. Vous êtes comme une feuille. Une feuille. Ceux qui se tapent la poitrine pour dire oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, je suis le président. Si tu m'énerves tout de suite là, je vais te gifler. Ce que tu dis là, tu le dis parce que tu as la force. En fait, parce que ton esprit est en toi. L'esprit là est plus fort que le corps. L'esprit est plus puissant que le corps. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là? Il dit, ce côté immatériel qui est en toi, là, c'est-à-dire, quand tu t'endors, tu te vois marcher. Cette partie que tu vois là, dans ton sommeil, ou bien dans les rêves là, cette partie là, que tu vois en songe là, cette partie là est plus puissante que la partie matérielle. Ça veut dire que ceux qui vont perdre leur temps à entretenir le côté physique là, au lieu d'entretenir le côté immatériel, qui est l'esprit, ces gens-là vraiment vont vraiment perdre beaucoup. Mais ceux qui vont passer beaucoup de temps dans la prière vont vraiment augmenter leur force. Oui, si vous voulez avoir beaucoup de force, priez. Et soyez sains. Ne couchez pas avec les gens des autres. Sinon, ça va salir votre corps. Ça va salir votre esprit. C'est-à-dire la chose même qui traverse le corps jusqu'à toucher à l'esprit là. Ce sont les rapports sexuels. C'est tout le rapport sexuel que Dieu n'aime pas. Un homme qui va coucher avec un autre homme par l'anus, ces gens-là vont rentrer en contact avec de grands démons. Ce sont des grands démons que vous allez invoquer en vous. Mais vous ne savez pas les dégâts que ça va engendrer plus tard. Quand une personne meurt, elle devient comme une feuille. C'est quel corps que toi tu as déjà connu, hein? La personne est décédée et puis le corps la parle toujours. Non. Non. Même les ennemis de cette personne qui est morte, les ennemis là viennent pour même chuter le corps. Chuter le corps même. Dis-toi, salaud là. Toi de ton vivant ici, tu nous insultais. Non? Tu étais orgueilleux. Tu nous as rabaissé ici devant les gens. Non? Mais regarde-toi, aujourd'hui tu es mort. Pourquoi tu ne parles pas? Même quand on balance vos corps à la mort. Celui qui a la mort là-bas, qui lave le corps des gens là. Lui, quand il voit le corps du président arriver, il se dit, wow, je suis honoré, j'ai lavé tout le monde jusqu'à... Lui, il lave même le président. Le président, lui aussi, son esprit à côté, il regarde le gars, il a vu, je lui dis, hey, toi, mais là, pourquoi? Mais il ne peut plus parler. Parce que c'est fini. Cette vidéo nous montre que l'homme n'est rien. Cette vidéo nous montre aussi que l'homme,
L'homme est comme une feuille qui tombe d'un arbre et que le vent peut emporter comme ça. Parti. L'homme fait de poussière retournera à la poussière. Ouais. Ça veut dire, mes frères et sœurs, ayez la crainte de Dieu. Vivez de façon simple. Ne cherchez pas à impressionner les gens du monde. Parce que le jour où vous allez mourir, vous serez seul. Dans toutes vos voies, mettez Dieu devant. Marchez selon la volonté de Dieu. Marchez selon ce qui est bien, ce qui est juste. Pour que votre mort soit une joie pour vous. Une joie. Nous tous qui parlons ici, là, nous allons mourir un jour. Mais seules nos œuvres vont rester. Nos œuvres, comme ce que vous attendez, voici la vidéo que vous attendez, voilà. C'est un truc d'esprit. C'est-à-dire la vidéo même là, elle est spirituelle parce que elle est immatérielle. Vous ne pouvez pas la toucher. Cette vidéo là va rester éternellement. Éternellement. C'est ce qu'on appelle vos œuvres. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin et que tu fais du bien à quelqu'un, tu lui donnes de l'argent. Là, on dit quoi? On dit que c'est le geste qui compte. L'argent que tu as donné là, c'est ton œuvre. Ça là, ça reste et c'est écrit devant Dieu. Et ça reste à jamais. Ça a déjà été filmé. Oui. Ne voyez plus la mort comme quelque chose de dangereux. Quelque chose de dangereux. Vraiment, ne voyez plus cela comme quelque chose de terrible. Mais plutôt comme une joie. En fait, la mort, c'est une joie pour celui-là qui a eu la crainte de Dieu, qui a été combattu par l'ennemi et que Dieu a enlevé à la fin parce que sa mission était terminée. Mais la mort devient une terreur, une peur terrible pour une personne qui est méchante, qui sait qu'elle ne va pas au paradis du tout. En tout cas, moi, je ne sais pas où il va aller, hein. Mais c'est que Dieu ne va jamais me laisser tomber. Ouais. Sœur, regarde-moi, je suis ton fils, on est ensemble. Jusqu'à las caras. Jusqu'au bout. On en couille. Oui. Restez avec Dieu. Marchez selon la volonté de Dieu. Soyez juste dans toutes vos voies. Ce qui est important, ce n'est pas d'être riche, d'avoir l'argent, d'avoir la maison, d'avoir beaucoup de biens. Ce qui est important, c'est d'avoir un esprit sain et d'être juste dans toutes ses voies. L'homme, là, quand il tombait là, il a fait tomber quoi? Le micro. Le micro, là, ça coûte cher. Tu dois travailler, tu es longtemps pour avoir ça, pour acheter ça. Mais quand il tombait, il a laissé tout cela tomber. C'est comme ça que vous allez laisser tous vos biens tomber. Boum. Quand vous allez partir, les gens, même qui ne vous aiment pas, ils vont venir faire semblant de pleurer pour vous à cause de votre thune. Ils vont venir se partager votre argent derrière vous. Ils vont venir dormir sur votre lit. Sur votre lit, ils vont venir dormir dessus. Vraiment, l'homme, tu n'es rien. L'homme. Tu n'es rien. Eh ouais. Eh oui. Eh oui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé après. Si vous connaissez ce pasteur, dites-moi en commentaire ce qui s'est passé après. Parce que certaines personnes disent que le pasteur est mort. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais si vous avez des informations, expliquez-moi. En commentaire, je vais découvrir cela. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus. Ok, c'est parti. Veillez sur votre propre vie. D'abord, vous qui êtes en vie. Veillez sur vos pas. Faites le bien. Apprenez à faire le bien. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et... Take a look, Senor. It's about.